Ce soir, on va s'intéresser à la République démocratique du Congo avec notre invité, Félix Tshisekedi. Le président a réussi à refaire une nouvelle majorité, lui qui était arrivé au pouvoir, mais avait un parlement contrôlé par son prédécesseur Joseph Kabila, a réussi à renverser la tendance. Il peut se targuer aujourd'hui d'au moins 391 députés au Parlement. Alors, est-ce un nouveau départ pour le développement au niveau de la République démocratique du Congo? On en parle avec Ruben Monama Bosendjou, notre invité. Bonsoir, Ruben Bosendjou. Bonsoir, Samuel. Ça fait longtemps. Vraiment très longtemps. Vous êtes le président du Haut Conseil des sociétés civiles d'Afrique subsaharienne. Merci à vous d'être notre invité. Merci, c'est toujours un plaisir de répondre à vos invitations parce que c'est très utile pour notre pays et très utile pour l'Afrique. Merci beaucoup. Alors, je le disais, Félix Tshisekedi a refait sa majorité au niveau du Parlement. Il n'y a pas eu une nouvelle élection législative en RDC, c'est avec les mêmes députés, mais aujourd'hui, c'est lui qui contrôle le Parlement à une très large majorité. Comment, j'allais dire, ce nouveau président arrivé au pouvoir depuis juste un peu plus de 2 ans, a-t-il réussi cette prouesse en RDC? Oui, c'est vraiment une prouesse. C'est une prouesse accompagnée aussi de la volonté de la population. Vous savez, le président de la République est arrivé au pouvoir, comme vous venez de le dire. Il n'avait pas la majorité au Parlement ni au Sénat. Et même au niveau du gouvernorat, il n'avait pas de majorité. Il a essayé, il a tendu la main aux autres. Il a voulu travailler avec tout le monde. Mais seulement, ce qui est un peu marrant est que les autres n'ont pas compris. Ils n'avaient pas encore compris que le pouvoir avait changé de camp. Ils s'étonnaient, ils se disaient, voilà, nous sommes majoritaires, nous allons continuer. Alors ça serait quand même difficile d'avoir un président de la République qui ne peut pas commander, un président de la République qui ne peut pas donner des ordres, un président de la République qui voit sa vision s'effriter, tout simplement parce que avec cette disposition que nous avons chez nous, des autorités morales. Vous voyez, il y a une autorité morale quelque part qui doit d'abord décider, donner l'ordre pour qu'un ministre puisse signer un papier. Cela a créé assez de problèmes au pays et assez de blocages. Et voilà, je pense qu'il était temps qu'il puisse prendre les choses en main. Et il s'est décidé d'être président de la République, les garants de la nation. Et voilà, il a repris les choses en main. Il a repris les choses en main. Mais je l'ai rappelé, il n'y a pas eu d'élection en RDC, de nouvelles élections législatives. C'est avec les mêmes députés qui se réclamaient pro-Kabila hier qu'il a fait sa majorité aujourd'hui. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu en sourdine? Non, le vrai problème en RDC, il faut comprendre que aujourd'hui d'abord, nous sommes dans un pays qui n'est qu'un pays politique. Donc tout se base sur la politique. Et même ces gens-là aujourd'hui qui sont tout autour du président Tshisekedi, demain ils peuvent partir. Oui. En RDC, c'est ça le problème. Vous savez, le FCC n'a pas su jouer, même au niveau du président de la République, les prédécesseurs de Joseph Kabila, lorsqu'il était encore président, il a eu un groupe autour de lui qui était des caciques. Et les pays étaient pris en otage. Ouais. On ne peut pas prendre une décision sans que les caciques puissent donner leur point de vue. Et il faut aussi se poser la question si toutes les informations parvenaient au niveau de Joseph Kabila. Ouais. Alors, il y avait une forme de la peur. C'était une manière de travailler comme si on avait l'épée sur la tête, on a peur. Et voilà ce qui est arrivé. Donc, ce n'est pas de la magie. On n'avait pas besoin des élections parce que les gens partaient juste pour gagner. Les gens, la politique en RDC doit changer. Parce que lorsque vous avez parlé, vous avez dit nouveau départ pour le développement, nous allons en venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore très honnête, d'autant plus que les gens vont en politique en RDC, non pour développer le pays, c'est pour leurs propres intérêts. Alors, par rapport à ces intérêts-là, ils se préservent. Ils ne savent pas, mais dès qu'ils trouvent que les choses changent, on leur dit, voilà, écoutez, si vous venez par ici, voilà comment vous allez travailler. On leur garantit ce qui a été garanti de l'autre côté sans assez de contraintes. Ils partent. Voilà le problème qui s'est passé. Alors, ça veut dire que pour avoir cette majorité, il y a dû y avoir beaucoup de négociations, beaucoup d'enveloppes ont dû circuler.
Bon, dire l'enveloppe. C'est pas une majorité de conviction. Non, dire l'enveloppe, je dirais peut-être pas trop. Pas trop d'enveloppe, mais plutôt la prise de conscience. Il y a plutôt la conscientisation. Vous comprenez? Il y a plutôt la conscientisation parce que soudainement, les gens ont quand même pris conscience. Ils se sont dit, écoutez, il y a des actes flagrants qui ne pouvaient pas se faire. Comment voulez-vous un président qui a une cérémonie où on ne voit pas le Premier ministre, on ne voit pas le président du Sénat, on ne voit pas la présidente de l'Assemblée nationale qui sont allés de l'autre côté alors que le président a une manifestation? C'était quand même grand. C'était pas quand même beau à voir. Vous comprenez? Et là, il y a quand même des négociations en sourdine, comme vous venez de le dire, des négociations. Enveloppe, je ne crois pas trop. Mais il y a plutôt la conscientisation. Vous l'avez dit tout à l'heure, que les politiques congolais, c'est plus leurs propres intérêts qu'ils défendent. Oui, leurs propres intérêts, c'est de la nation. Leurs intérêts, écoutez, être député en RDC, vous savez, ça a beaucoup d'avantages. Oui. Ce sont ces avantages-là que les gens préfèrent s'y accrocher. C'est juste les avantages. Ils ont des émoluments. Ce n'est pas seulement la corruption, mais il y a aussi des émoluments. Et depuis qu'ils sont là, quelles lois ils ont déjà votées pour la population? Vous allez voir, les débats tournent autour, soit d'une personnalité, soit il faut les émoluments, il faut les biens matériels, mais les pays ne s'y retrouvaient pas. La population ne s'y retrouvait pas. Et voilà, à un moment donné, il fallait que ça puisse capoter. Est-ce que cette majorité autour de Tshisekedi, d'après vous, va être durable? En tout cas, ça va le conduire jusqu'à la fin de son mandat? Les politiques congolais sont imprévisibles. Ce sont des personnes très, très imprévisibles, d'où j'avais vraiment, moi, aimé qu'on donne un peu la place aux autres, qu'on regarde un peu les technocrates. Oui. Il faut pas toujours les politiques. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là. Nous allons voir. C'est déjà un bon élan pour le développement. Mais nous attendons d'abord la publication du gouvernement. Lorsque le gouvernement sera publié, est-ce qu'il n'y aura pas de dessus? Certaines personnes vont se dire, ne se sont pas retrouvées. Ne vont-ils pas aller quelque part? Ne vont pas s'écarter de la ligne de conduite? C'est ça. Mais si vraiment tout le monde reste dans la vision prônée par les chefs de l'État, je pense que si cela se faisait, le Congo, la RDC, sera sur la route du développement. Alors, en tout cas, cette majorité permet aujourd'hui au président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi de gouverner, ce qui lui a toujours manqué depuis le début de son mandat. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la RDC est face à son destin, peut amorcer sa course vers le développement avec Tshisekedi? Oui, la volonté y est. La volonté y est. Lorsque je suis souvent le président de la République parler, je trouve en lui, il a la volonté de voir la RDC changer. La RDC s'est développée. Mais les personnes, ce sont les mêmes personnes qui sont là. Il faut qu'il y ait d'abord ce qu'on appelle, je me rappelle encore de cette notion de métanoïa. Il faut vraiment qu'il y ait un changement. Il ne faut pas que ce soit des serpents qui changent juste la peau, qui restent des serpents. Mais il faut qu'il y ait vraiment un changement. Et on trouve que voilà, tout le monde s'est dit, voilà, assez, ce pays-là, avec toute sa richesse, ne peut pas rester comme ça. Ce pays-là, avec tout ce qu'il comporte comme potentiel, en tout cas, on ne peut pas rester dans cette situation de pauvreté. Écoutez, nous sommes l'avant-dernière avant Yémen. Ça ne marche pas. Vous voyez, je peux vous donner un exemple, par exemple, ça peut vous faire rire. Les Grands Équateurs, une province comme Grand Équateur, c'est plus grand que le Togo. C'est plus riche que le Togo. Mais le Togo est plus développé, mille fois plus que le Grand Équateur. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous voyez? Donc, il faut que nous avons besoin de personnes qui ont la volonté de pouvoir travailler pour ces pays-là. Le président Tshisekedi peut avoir, oui. Auparavant, on disait, voilà, Kabila, les FCC, c'est les diables. Les FCC, c'est les blocages. Les FCC, c'est les FCC qui retardent les choses. Maintenant, nous voulons que nous ayons raison de dire que les FCC était vraiment un blocage. Alors, tous ces députés qui ont tourné Kazakh aujourd'hui doivent nous prouver, tous ces ministres qui vont travailler doivent nous prouver que réellement, on vient de sortir d'une situation de crise. Sinon, ça serait encore autre situation, autre crise, et ça ne va pas marcher. La RDC est face à son destin, oui, c'est vrai. Parce que lorsqu'on parle de développement, le développement, ce n'est pas une baguette magique. Le développement, c'est un processus.
Je me rappelle, même si je dois bien comprendre que ça sort du latin « volvere » ou bien « volvere » pour certains, c'est « rouler ». Il faut rouler du point A vers le point B, vers le positif. Vous voyez. Mais aujourd'hui, un pays ne peut pas se développer seulement si on a changé la majorité. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y a d'abord la corruption qu'il faut éradiquer. Il y a les favoritismes. Parce qu'aujourd'hui, comment vous pouvez vous imaginer, vous avez les ministres, son directeur de cabinet, c'est son petit frère. Son neveu, c'est Donc, tous les cabinets n'est composé que de membres de famille d'un ministre. On ne tient plus compte des compétences des personnes. Je pense que ce n'est pas seulement la majorité, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il faut tenir compte pour que la RDC puisse vraiment avoir son destin en main et surtout changer aussi la gouvernance. Parce que cette gouvernance, aujourd'hui, la gouvernance, et je le répète encore, elle est politique. Il faut que la gouvernance quitte un peu la politique, soit qu'on ait aussi une gouvernance économique. On n'a pas cette gouvernance-là. Mais une chose est claire aujourd'hui, avec cette nouvelle majorité très forte, Félix Tshisekedi n'a plus trop d'excuses pour ne pas bien faire. En tout cas, il n'a plus d'excuses. Il ne pourra plus avoir raison à quoi que ce soit. On lui a donné tout ce qu'il faut. Il a aujourd'hui tous les outils entre ses mains pour pouvoir travailler. Mais comme on a toujours dit, le président seul, il ne peut rien. C'est plutôt avec l'appui de tout le monde. Il faut que tout le monde puisse dire, voilà, nous avons changé. Il faut qu'on voie un changement. Il est le président de l'Union africaine. Il faut que la RDC soit vraiment ce pays qui est aujourd'hui la capitale. De l'Afrique puisse vraiment montrer sa nouvelle robe, qu'on sache que non, voilà, c'est les grands, la grande République démocratique du Congo qui s'élève, la grande République démocratique du Congo qui peut nourrir l'Afrique parce que nous avons tout ce qu'il faut. C'est le président qui donne le tempo. Il a toujours donné le tempo. Il a toujours donné le tempo. Il a essayé avec le FCC, ça n'a pas marché. Maintenant, avec sa nouvelle majorité, il continue à donner parce que s'il faut lire entre les lignes, dans tout ce qu'il dit, ce qui, moi, me fait mal, c'est plutôt ses collaborateurs. Vous voyez, on confond le président de la République à un ami, on confond le président de la République à un cousin, on confond le président de la République à un ami du quartier. C'est lui qui n'impose pas son autorité, peut-être. Il a toujours imposé son autorité, mais c'est plutôt les personnes qui sont tout autour de lui qui ne comprennent pas. Il a toujours frappé. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. La RDC, nous pensons que cette fois-ci, avec cette nouvelle majorité, si les gens prennent conscience, les choses peuvent changer. Le premier ministre qu'il a nommé, un homme très jeune, 43 ans, vous pensez que dans le contexte actuel, avec ce que vous attendez désormais du gouvernement en termes de développement, c'est the right man at the right place? Non, le problème, c'est qu'il ne faut même pas parler de l'âge. L'âge ne dit rien. Oui, je le dis par rapport à... Parce que c'est la tendance aujourd'hui. Oui, la tendance, jeunesse, oui. Ce qui prend le devant des choses. Oui, la jeunesse... Et d'ailleurs, le Premier ministre a promis un gouvernement plutôt rajeuni également. Oui. Mais je veux dire, est-ce que lui, de par son profil, est-ce que c'est l'homme qu'il faut? Oui. En tout cas, dire que c'est lui l'homme qu'il faut, je dirais non. Il y a encore d'autres qui pouvaient aussi y être. Mais il est là. Il peut faire mieux. Il peut faire mieux parce que... Vous ne l'avez jamais vu à l'œuvre? C'est pas quand même un parvenu en politique. C'est pas un parvenu. Il a été même le plus jeune député. Oui, il était le plus jeune. Il a fait une très... Il a été ministre de la jeunesse sous Kabila. Tout à fait, oui. C'est plutôt ce qu'on appelle une girouette politique. Hein. Il sèche son linge là où le soleil brille. Oui, tout à fait. Pour reprendre les termes d'un ivoirien. Non, pas du tout. Moi, je dirais plutôt, c'est un monsieur qui a fait une bonne carrière. Il a fait une bonne carrière. Tout simplement, je ne voudrais pas aujourd'hui dans mon pays, parce que nous avons eu des exemples et on a été tous déçus. Vous comprenez? Aujourd'hui, je ne voudrais pas laisser l'avenir de la RDC sur une seule personne. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, il peut mieux faire. Il a fait une bonne carrière et je pense que les commentaires autour de lui sont très bons. Le vrai problème, il faut seulement que les gens puissent respecter l'état des droits. Il faut que les gens fassent la différence entre le bien de l'État
et les biens personnels. Il faut que la population quitte un peu ce comportement que la RDC appelle Djalélo. Cela veut dire qu'il faut diviniser une personne. Trouver que si ce n'est pas cette personne, personne d'autre ne peut le faire. C'est ça le problème. Ouais. Aujourd'hui, le parti politique, qui sont là, du matin au soir, tiennent des matinées politiques. Mais c'est quelle matinée politique? Vous prenez les jeunes, de 8h à 14h, des fois à 16h, juste pour des racontards, au lieu de les envoyer au travail. Moi, je pense que tant qu'il est jeune, il pourra comprendre un peu le besoin de la jeunesse. Il faut l'emploi. La RDC ne peut pas se développer parce qu'il y a un nouveau premier ministre. La RDC ne peut pas se développer parce que aujourd'hui nous sommes en RDC, nous voyons que il y a la nouvelle majorité. La RDC ne pourra se développer que lorsqu'il y aura une gouvernance économique. La RDC ne pourra se développer que lorsque on arrive pas à mettre de l'ordre dans les recettes de l'État. Ouais, parce que tout passe partout et on ne sait pas quoi contrôler. La RDC ne peut pas se développer s'il n'y a pas une bonne transition écologique en RDC. Voilà, au moins, ce sont des points-là que si aujourd'hui, les pays prennent conscience, nous pouvons dire que nous allons nous en sortir. Mais est-ce que Jean-Michel Samalou-Kandé est l'homme de la situation aujourd'hui? Les défis que vous citez sont énormes. Est-ce que c'est lui qui peut aider le président Tshisekedi à atteindre ces objectifs-là? Sama, il a la volonté de travailler avec le président de la République. Pour lui, il a un défi à relever. Pour lui, il joue aussi sa carte pour l'avenir. Oui, bien sûr. Je pense qu'il n'a pas droit à l'erreur. Mais le vrai problème, comme je l'ai dit toujours, ce n'est pas les dirigeants, tels que le président de la République, les premiers ministres. Mais il y a eu quand même certains ministres qui ont très bien travaillé, qu'il pourra récupérer et arriver à travailler de concert avec le président de la République pour sortir la RDC de ces chaos. Est-il que les défis sont énormes au pays? Il y a tellement de problèmes dans mon pays. Je me dis, il est encore jeune, mais l'avantage, c'est quoi? Il comprend, il a vu ce que les aînés ont fait, il a vu ce que ses congénères ont fait, il a vu ce que ses petits frères ont fait. Il pourra faire la part des choses pour frayer un nouveau chemin pour la RDC. Quel visage voyez-vous pour le prochain gouvernement? Ça va être, c'est vrai que vous le disiez tantôt, il y a des gens qui ont fait de bonnes choses qu'il faut maintenir. Est-ce qu'il faut plus rajeunir un gouvernement plus technocrate que politique? Aujourd'hui, de quoi la RDC a besoin? La RDC a besoin d'un gouvernement plus technocrate que politique. Parce que la politique, on a toujours des comptes à rendre à son autorité morale. Et là, ça ne marche pas. Il faut des personnes qui maîtrisent non seulement la politique, mais la gestion de la chose publique. Vous comprenez, il faut ces gens-là. Il faut aller vers leur passé, fouiller. Est-ce que ce sont des problèmes? Ce ne sont pas des personnes qui drainent avec eux des passés lourds et voir comment faire développer les pays. Donc le pays a besoin de bonnes personnes. Mais le président sera quand même un peu obligé de faire avec un certain nombre d'alliés, notamment vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez Moïse Katumbi, vous avez tous ces gros morceaux de la politique qui ont apporté aussi leur soutien pour constituer la majorité. Il ne peut pas les laisser, donc le politique ne sera pas très loin de ce gouvernement non plus. Oui, les politiques ne seront pas très loin, toutes ces politiques-là ne seront pas très loin de la gestion de la chose publique. Moi, je pense que c'est question de la conscience politique aussi. Mais est-ce que ce n'est pas le danger? Tshisekedi reste toujours prisonnier de ces différents accords, compromis aujourd'hui pour avoir sa majorité. Il a dû rafistoler un peu partout, donc est-ce qu'il a la main libre? Non, jusque-là, on ne nous a pas parlé d'un accord.
comme c'était la fois passée, on parlait de l'accord. On ne le dira FCC. Pas, mais écoutez, tout le monde sait qu'il a échangé avec Bemba, avec Katumbi, avec un certain nombre de personnalités de la société civile. Donc forcément, oui, c'est une concertation sur des choses. Il a eu une concertation avec tout le monde et chacun est venu lui présenter ses desiderata pour que les pays puissent fonctionner. Et lui travaille par rapport à ce que les gens ont apporté. Il en a fait sa vision. Oui. Il en a fait sa vision. Donc, il n'a pas signé un papier avec qui que ce soit. Ils sont arrivés, ils ont dit, voilà, pour que les pays marchent, nous pensons que si on fait ça, on fait ça. Alors maintenant, lui, il a pris tout ce que les gens ont donné comme desiderata. Il les met. Alors, travaillons ensemble pour cela. La RDC, pour que ça puisse aller, il y a des choses, il y a même des réformes qu'il faut tenir compte. Mmh. Vous savez, nous avons aujourd'hui le Sénat, on se pose la question, le Sénat fait quoi? Ouais. Nous avons les assemblées provinciales. Ces assemblées provinciales sont budgétivores. Qu'est-ce que ces assemblées font au pays? Nous avons des gouvernements provinciaux. Ces gouvernements font quoi? Nous, nous pensons qu'il est temps au président Félix Tshisekedi, avec son gouvernement, de réfléchir, même avec l'assemblée, pour voir comment retourner comme nous étions auparavant avec 11 provinces et que les gouverneurs soient nommés. Là, ça serait encore mieux. Gouverneur nommé plutôt qu'élu. Nommé, c'était encore mieux. Parce que, et puis, il ne faut pas que ça soit des originaires. Parce que si aujourd'hui... Vous parlez des gouverneurs hors sol, là. Est-ce que ça marche? Oui. Mais on a fonctionné comme ça. L'équipe, vous n'avez pas de problème. C'est lorsqu'on a commencé, maintenant, à avoir des gouverneurs natifs, ou bien originaires, qu'aujourd'hui, la RDC a des sérieux problèmes au niveau de l'Est. Parce que vous êtes aujourd'hui gouverneur. Vous avez grandi là-bas. Vous avez de la famille. Parmi les rebelles, il y a votre cousin. Il y a votre petit frère. Voyez un peu. Au lieu de taper fort, vous allez chercher à négocier. Et si ça ne marche pas, c'est le pays qui en pâtit. Je pense que le pays doit retourner. Il y a des choses, des fois, qu'on adapte. Si ça ne marche pas, on fait marche en arrière. Parce que c'est très difficile avec 26 provinces. Il faut construire. Dans toutes ces provinces-là, il faut payer. Il faut payer. Donc, le gouvernement, les budgets de l'État, tout... C'est absorbé par les institutions. Ouais, mais les actions sur le terrain, on n'en trouve pas. Mmh. Voilà les problèmes de la RDC. Il ne reste pratiquement que 3 ans, un peu moins même, pour que Félix Tshisekedi finisse son mandat. Est-ce qu'il peut réaliser tout ça, tout ce que vous attendez de lui en 3 ans? Je pense que réaliser tout en 3 ans, je ne pense pas. Il pourra peut-être mettre les choses sur les rails. Et qui sait s'il pourra revenir encore. Mm-hmm. Il pourrait doubler les mandats. Et ça encore, les élections dans ces 3 ans-là, c'est aussi hypothétique. Parce que jusque-là, nous nous posons des questions. Il y a les problèmes de la CENI. Il y a assez de choses à faire. Je pense, je ne le souhaite pas, mais je pense que nous risquons d'aller jusqu'à 25. 2025, sans élection? Oui, je pense bien. Alors, vive la crise. Bon, oui, la crise, si nous appelons ça crise. Mais si on se met ensemble, on se met sur une même table, on se dit, voilà, à cause de ceci, à ça, bon, on ne peut pas, et tout le monde... Oui, mais on n'a pas glissé pour la première fois en RDC. Oui, c'est vrai, mais vous pensez que des gens aujourd'hui, comme Jean-Pierre Bemba, dont on connaît l'ambition présidentielle, Moïse Katumbi, qui est en embuscade, vont se taire pour que le président s'offre 2 mandats en 1? La politique, ce n'est pas le calcul. On a vu ce que ça a été en Côte d'Ivoire. Oui, Sous Gbagbo, on a vu. Oui. Mais je vous dis, en RDC, ça peut arriver parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est aux affaires, presque tout le monde est aux affaires, sauf peut-être Fayoulou et une partie des FCC. Mais tout y est là, tout est là. On s'est dit, voilà. Nous avons ceci, nous manquons cela. Comment nous pouvons aller? Faut-il faire des élections bâclées parce qu'il faut seulement aller aux élections? Je ne suis pas pour qu'on aille en 25. Je veux bien que les élections se passent en 23. S'il peut encore gagner, il pourra continuer sa mission. Mais je doute fort par rapport aux préparatifs. On va dire quelques mots sur l'ancien président Joseph Kabila. Aujourd'hui, il a perdu sa majorité. Il s'est retiré dans son Katanga natal. Est-ce que vous pensez que, j'allais dire, il n'a plus de force, de capacité de nuisance, c'est fini? Bon, Joseph Kabila
n'avait pas la capacité de nuisance. Joseph Kabila n'en avait pas. L'homme, si vous le regardez, vous trouverez que ce n'est pas vraiment ce que nous croyons de cet homme-là. Mmh. Mais il a eu plutôt un entourage qui ne lui a pas rendu bon service. Bon, c'est ce qu'on dit toujours, hein, pour excuser un certain nombre d'actes des dirigeants. On parle non, de écoutez, l'entourage. Qui est Joseph Kabila d'abord facile, hein. Joseph Kabila a fait 18 ans de pouvoir. Oui, il a fait 18 ans au pouvoir, mais qui est-il? C'est un parvenu politique. C'est le produit de certains caciques. On l'a façonné pour qu'il soit ce qu'il est. Mmh. On l'a façonné pour qu'il soit ce qu'il est devenu. Vous voyez? Or, les mêmes personnes qui l'ont façonné, ce sont les mêmes personnes qui peuvent aussi les défaçonner. Mmh. Vous voyez? Moi, je ne vois pas. Parce qu'aujourd'hui, l'armée, lorsqu'on parle de la force de nuisance... C'est son armée. Oui. Ce n'est plus son armée, c'est l'armée républicaine aujourd'hui. Vous voyez? La plupart des généraux, des colonels, c'est lui qui les a nommés. Oui, il les a nommés. Oui, le problème, c'est qu'ils ne lui sont pas plus, quand on voit même Tshisekedi qui demande à qui a rappelé l'armée pour, j'allais dire, une sorte d'allégeance générale. On a l'impression que le président sent que je n'ai pas la même mise sur l'armée. Non. Auparavant, c'était comme ça au début. Il devait prendre son temps. Mmh. Après, il a récupéré, c'est lui le garant de la nation. Pensez que l'armée est disciplinée aujourd'hui, soudée derrière le président de la République? Vous savez, les militaires que nous voyons, ce sont des humains. Ils ont la conscience. Le peuple congolais, c'est un peuple qui a aussi la conscience. Mmh. À un moment donné, il y a des militaires qui ont compris qu'ils avaient fait un peu de trop. Ça devait s'arrêter. Et aujourd'hui, ils ont fait allégeance au président de la République. Kabila n'a plus d'armée. Bien qu'il y a quand même des brebis galeux quelque part, mais aujourd'hui, c'est l'armée appartient à la République démocratique du Congo. Kabila n'a plus d'armée. Donc ça veut dire clairement, c'est un départ qu'on a amorcé pour le développement et rien ne peut l'arrêter. Dire rien ne peut l'arrêter, lorsqu'on parle du développement, le développement c'est un processus, il y a plusieurs paramètres qui doivent rentrer en jeu pour que nous puissions aller. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la volonté manifestée par le président de la République, avec sa vision du peuple d'abord, nous pensons que la RDC va s'habiller de sa robe d'antan pour dire que voilà, aujourd'hui, nous sommes sortis de la crise, nous devons tous construire les pays. Et la population va un peu chercher à changer son mot douce, vivendi. Parce que la RDC, c'est un pays qui fait la honte de l'Afrique aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a comme potentialité. Ruben Monama, Bozendjou, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci, c'est un plaisir. Vous êtes le président du Haut Conseil des sociétés civiles d'Afrique subsaharienne. Voilà, on va passer tout de suite à la pause et après on revient maintenant pour continuer avec Regards Croisés.